L'accès au parc des Calanques depuis Lumini poursuit sa métamorphose. Après la modification des aires de stationnement pour les voitures, le site vient de se doter de pistes cyclables totalement séparées de la chaussée, reliant ainsi Mazargues à Lumini. Aujourd'hui, c'est un cheminement en mode doux qui permet aux habitants comme à ceux qui fréquentent le massif des Calanques de pouvoir cheminer, notamment en deux roues, jusqu'au massif des Calanques. C'est une requalification complète de l'espace public et très sincèrement, quand on voit en quelque sorte le paysage qui nous entoure, on est très clairement dans cette volonté de vouloir partager les espaces avec les différents modes de transport et notamment le vélo. Vous le savez, aujourd'hui, il y a 15 000 personnes jour qui se rendent sur Lumini. 15 000 personnes jour, quand vous y comptez les étudiants, plus ceux qui y travaillent, plus évidemment toutes celles et tous ceux qui fréquentent la Calanque de Sugiton, par exemple, ou qui vont dans les Calanques. Donc tout ça nécessitait qu'il y ait une meilleure répartition de l'offre de déplacement. Et donc aujourd'hui, nous avons soit la voiture, soit le BHNS, soit à pied, soit le vélo. Donc, et chacun l'utilise à sa manière, comme il l'entend. En 4 ans, le nombre de pistes cyclables a doublé dans le secteur, en passant de 20 à 40 km.